Il y a la direction divine dans le général, il y a la direction divine dans le privé. Bon, c'est là-bas où souvent il y a des problèmes parce que il y a des sentiments qui se mêlent là-dedans. Il y a une autorité qui est au-dessus de vous, le père et la mère, qui, dans leurs propres sentiments, pensent qu'ils veulent le bien pour leur fille, alors que cette maman est en train de faire la plus grosse erreur. Et là-bas, c'est en ce moment que je vais engager un autre élément, c'est d'aller devant le Seigneur dans le lieu secret. Il faut ajouter autre chose dans le lieu secret. Parce que là où tu es, à partir du moment où tu es né, à un certain âge-là, en tant que jeune fille, tu as déjà un mari que Dieu connaît. Mais ce n'est pas lui qui va te prendre, aller te donner. Non, Dieu le connaît. C'est exceptionnel qu'entre l'homme et la femme, il y a 20 ans ou 25 ans ou autre, ça c'est exceptionnel. Sinon, la plupart du temps, entre l'homme et la femme, c'est toujours peut-être 5, peut-être 10 ans ou plus. Ça veut dire que si une fille est née sur la terre aujourd'hui, son mari, si ce n'est pas exception, son mari existe déjà sur la terre. Il se peut qu'il ne soit pas dans sa ville. Il se peut qu'il ne soit même pas dans son pays. Mais comme son mari existe là, premièrement, quand un certain âge arrive, Dieu commence à mettre dans la... c'est pas la mère qui a dit à la fille là, pense au mariage. Non. Non, non, non. Ça vient normalement, naturellement. Mais elle ne sait pas qu'est-ce que le mariage. Mais elle commence à penser qu'elle doit mettre un foyer en place. Elle entend ses parents parler et elle commence à prier. Mais dans ce moment-là, il y a un premier élément qui va se présenter sur le plan naturel. Les camarades naturels du quartier, les camarades naturels du lycée ou du collège vont se présenter et en ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle les sentiments. Et parfois des sentiments très forts. Il peut lier un garçon et une petite fille. Ce n'est pas encore la destinée. Non. C'est simplement sur le plan naturel. Parce que la petite fille découvre dans ce petit garçon des choses qu'elle aime et aussi le garçon découvre des petites choses dans la petite fille, des choses qu'il aime. Bon, si on prend le naturel, ce naturel-là peut, si les deux deviennent chrétiens, ils peuvent discerner que ce naturel-là est en même temps le spirituel de Dieu pour eux. Ça, c'est le premier cas. Donc, en ce moment-là, les deux se sont devenus chrétiens, ils ont commencé à prier, et ce qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre se confirme comme le mari ou la fille. Bon, là, ces cas-là sont aussi très rares. Deuxième groupe de gens, donc vous ne vous connaissez même pas, tu ne sais pas si tu trouves ton mari ou ta femme, et tu commences à prier, ce qui est la voie normale. Tu commences à prier. Mais cette prière-là, c'est que Dieu sait une chose et le Satan sait une chose, que les gens ne tiennent pas compte. On te dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la plupart du temps, Dieu a rendu Adam responsable de la famille qui va venir. Adam a été formé en premier lieu avant que Ève ait été formée. Et c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui. Mais en Christ, l'aide-là, si tu es un garçon, l'aide-là est déjà là. L'aide-là est déjà là. Tu dois demander à Dieu maintenant quelle est cette aide que Dieu t'a préparée pour toi afin que vous puissiez œuvrer dans le royaume des cieux. Ça va demander d'autres éléments. Une prière et accompagné parfois de jeûne, une action de grâce, une louange, et maintenant des yeux naturels et des sentiments naturels qui vont venir un peu agrémenter les choses spirituelles que tu as déposées en toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je donne l'exemple, je vous ai dit, un ami belge
qui voulait se marier. Il est dans un hôpital. Il travaille et puis bon, il est avec les infirmières là. Il est devenu chrétien, il voulait se marier. Il a commencé à prier Dieu. Il veut se marier. Dans le naturel, il avait déjà fait son choix. Il a vu une infirmière là, bon, qui est chrétienne. Bon, il a dit sûrement c'est celle-là là, parce qu'on a les mêmes sentiments, les mêmes goûts quand on discute, les mêmes idées. Il a dit sûrement c'est elle. Ah, il a dit merci Seigneur. Il continue à rendre grâce à Dieu. Et la jeune fille aussi avait des sentiments envers lui. Ils ont continué ainsi quelques mois, jusqu'au jour où Dieu parle à l'homme. Il parle à l'homme, c'est ça. Il a dit à l'homme là, ce n'est pas celle-là là, ta femme. Et il a dit, ah bon, c'est qui? Il lui a montré une autre infirmière là. Le gars n'aime pas sur le plan sentimental. C'est pas son goût, comme les garçons disent. Comme la fille aussi dit, c'est pas mon goût. Bon, oui, sur le plan naturel, c'est pas son goût. Mais sur le plan de destinée, c'est cette fille-là que Dieu a préparée. Bon, il a commencé ses luttes. C'est en ce moment qu'il y a des problèmes. Bon, on commence nos luttes. Et au lieu de garder ces luttes-là en se reposant sur Dieu, c'est très difficile en ce moment-là quand la chair est mêlée de dire, Seigneur, ce que tu veux, c'est ce que je veux, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Tu comprends? On a peur de dire ça. Parce qu'on s'imagine quand même que cette femme-là, on va souffrir. Mais cet homme-là, on va souffrir. Donc on continue à prier, à demander à Dieu. Bon, comme nous ne voulons pas céder, Jésus a. C'est étonnant que Jésus lutte comme ça. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, Seigneur, il faut nous aider. L'homme qui est sans péché là, en train de lutter, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est en train de lutter. Et nous sommes déjà affectés par le péché. Mais c'est pourquoi notre volonté ne dure pas. Non, il a continué à crier comme cela. Il a continué à crier. Bon, Dieu lui a montré que s'il veut, qui lui a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur là. Cette jeune fille qui fera son bonheur. Selon Dieu, hein? Mais si ce sont selon ses pensées, ah, il fait. Bon, à la fin, il a négocié avec Dieu. Il dit, je suis prêt même à aller en mission comme missionnaire en Afghanistan. Dieu dit, l'Afghanistan pèse trop léger par rapport à ta décision. Ce n'est rien ça. Afghanistan là, c'est simplement peut-être le climat qui ne te plaira pas. La nourriture. Ah, il a continué à négocier avec Dieu. Dieu lui a dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Parce que lui maintenant, il laisse. Parce qu'il est venu me demander, c'est pourquoi je lui réponds. Mais comme il ne veut pas, je laisse. À la fin, il a vu que Dieu ne lui parlait plus. C'était difficile. Les gens ont dit, bon, si Dieu ne te parle pas, les gens t'ont dit, oui, chacun. Vous savez, en ce moment-là, et ce qui est dans ton cœur, là, les gens vont le prophétiser. Souvent, beaucoup de prophéties, dit dans la Bible, il dit qu'ils te diront ce qui est dans ton cœur. Que les prophètes vont te dire ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, là, Satan va faire que même un prophète de Dieu va décrire l'homme ou la femme là comme tes pensées. Et tu dis, c'est ça même. C'est Dieu même qui a parlé. Les gens ne lisent pas la Bible. Il dit, ils te prophétiseront selon ce qui est ton cœur. Et les prophètes le diront ce qui est là. Ils veulent te faire plaisir. Bon, à la fin, il a levé la main. Il a dit, comme le Seigneur, non pas. Quand il nous racontait ça, vraiment, ça faisait rire. En même temps, ça faisait pleurer. Mais le gars était au sérieux. Mais quand il a dit ça, bon, Dieu dit, si tu renonces,
En tout cas, voilà ce qu'il y a. Donc, il a renoncé. Il est parti. Bon, il a dit à l'autre fille là qu'ils ne pourront pas se marier. Il est parti dire à celle qu'il n'aimait pas. On va, bon, si tu veux, on va se marier. Elle dit non. Moi, je le savais. Et comme tu luttais là, je n'ai pas voulu mettre ma volonté là-dedans. J'ai dit à Dieu, si c'est lui, il n'a qu'à te parler. Si ce n'est pas lui aussi, elle vraiment, elle ne veut pas perdre son temps. Elle veut pas, donc, tu vois, écoutez, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, le jour du mariage, quand il nous racontait ça, nous, on passait le temps à rire. Il n'aime pas la fille, là. Il n'est pas attiré par la fille. Et le jour du mariage, ils sont entrés dans la chambre des noces, la nuit, là. Bon, la fille a vu qu'il ne s'approche pas d'elle. La fille est descendue du lit sur ses genoux, se met en genoux près du lit, a tiré l'homme par son pyjama. Il est venu à genoux. Il a dit à Dieu, maintenant qu'on est marié, on ne peut plus reculer. Il faut aller de l'avant. Seigneur, tu as vu, il n'a pas de sentiment pour moi. Il n'a pas ceci pour moi. Je ne lui en veux pas. Mais Père, tu as dit que c'est avec lui que j'aurai le bonheur là. Je te prie maintenant, l'amour que tu as répandu dans nos cœurs, selon Romains 5:5, le Saint-Esprit a répandu de l'amour dans nos cœurs. Donc, il dit que maintenant, cet amour aussi sentiment, cet amour qui fait qu'un homme puisse aimer sa femme là, répand ce même amour là à travers l'amour agapao là dans le cœur de ton enfant. L'homme était à genoux, puis à un moment donné, il y a une grâce qui est venue. Il a été enveloppé de cet amour là. Qui semblait être un amour vraiment ineffable. Il ne sait pas d'où l'amour l'est venu. Je parle de l'amour sentiment. Hein. L'amour agapao était déjà en lui. Mais il ne pouvait pas. Et il s'est venu. Maintenant, quand l'amour, cet amour sentiment est venu là, il a aimé cette femme-là plus que l'autre même qu'il aimait avec ses sentiments. Et vous savez ce qui s'est passé? Donc, quelques jours, je ne sais pas, c'est un mois ou quoi, et l'autre, celle qu'il aimait là, est tombée malade. On a fait les examens. Elle avait une maladie vraiment terminale depuis des mois et des mois et des mois. Et c'est cette maladie-là qui l'a tuée. Donc, ça veut dire presque quelques jours ou un mois après le mariage de l'autre. Maintenant, il a commencé à dire, Dieu, vous connaissez toutes choses. Dieu dit, vous les hommes, je veux vous parler. Si je t'avais laissé marier, parce que ma fille là, elle est ma fille, hein, il n'y a rien de mauvais. Moi, je connaissais sa fin. Je savais que ça ne va pas durer, elle va aller au ciel. Tu allais te plaindre pour dire que je savais qu'elle était malade, je ne t'ai pas dit, patati, patata, maintenant, voilà, je suis une jeune veuve, tant, tant, tant. C'est pourquoi je t'ai résisté. Elle est auprès de moi. Elle est dans la joie. Mais toi aussi tu es dans la joie. Et si elle était partie de l'Élysée, que vas-tu faire? Ça, c'est le deuxième cas. Bon, le troisième cas, vous allez dans le naturel, parce que vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas convertis, mais vous êtes convertis des bébés spirituels. Effectivement, il y a des sentiments qui sont là. Vous vous mariez, c'est à bas de ça. Maintenant, c'est comment Dieu va faire. C'est là, en ce moment-là, que Dieu va faire un truc spécial, mon frère. Regarde comment, quand Adam a vu Ève là, il a dit, ah, cette fois-ci, c'est os de mes os, chair de ma chair. Regarde, et Élisée de Damas a été envoyé par Abraham pour chercher une femme jusque là-bas. Mais
il n'y avait pas de déclaration d'amour dans le cœur d'Isaac. C'est l'homme, c'est Élisée de Damas, le serviteur d'Abraham qui a prié, demandé certains éléments qui ont permis de voir Rebecca. Elle a répondu à ces questions-là et il l'a amenée. Isaac ne l'a jamais vu. Mais dès qu'on a amené Rebecca, que Isaac l'a vu même de loin simplement, il y a quelque chose qui s'est passé en lui et il a commencé à aimer. Il y a la direction divine, comme je ne l'ai pas développé cela, il y a la direction divine dans le quatrième cas où c'est Dieu qui bon, là c'est dans la Bible, que Dieu arrange certaines situations parce qu'il sait que cette jeune fille-là sera une aide précieuse pour cet homme-là. Et en ce moment-là, même s'il n'y a pas un sentiment très très fort pour les choses, mais Dieu va faire de telle manière qu'ils vont développer tout cela au fur et à mesure qu'ils vont aller ensemble. Mais ce qui est dangereux, c'est de vouloir se marier sur la base de révélations directes chaque fois. Ça, c'est un peu dangereux. Bon, si rapidement tu veux que Dieu te montre ton mari ou ta femme, l'ennemi peut se glisser là-dedans. Et ça va apparaître beau dans un premier temps. C'est comme dans ce cas-là, une jeune fille, un monsieur est venu dans une église. Il était un jeune riche là. Alors qu'il était dans des choses, club ésotérique. Donc il a été conduit dans cette église pour prendre une fille de Dieu selon l'ennemi. Et qu'il est venu, il a garé sa voiture et tout. Il s'est assis derrière. Quand le pasteur a lancé l'appel, il est venu. Il a reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Apparemment, je dis. Et après ça, maintenant, il s'est attaché beaucoup au pasteur. Quand le pasteur demande ça, il est là, il donne l'argent, il fait ceci ou cela. Donc le pasteur et toute son équipe là sont tombés dans son piège. Ils disent, ah, mais ce gars-là est bien. Il y a ça, 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 ça. Bon, or, il est venu en mission. Il a été envoyé par l'ennemi pour venir en mission. Donc tu vois, il y a des cas comme ça qui se passent. Mais quand il a vu une fille là qu'il visait. C'était une des filles les plus spirituelles de l'église. Il a été envoyé par l'ennemi pour éteindre le feu de cette fille-là, parce que la fille-là mettait le feu dans la vie des jeunes filles de l'église, des PDG. Comme elle attendait un peu, elle attendait un mari, que le mari ne venait pas, le gars s'est devenu gentil, tout. Et ils se sont mariés rapidement. Mais les jours où ils se sont mariés, les jours même, ils sont mariés là. Donc, la nuit là, la fille s'est levée vers 2h du matin pour aller aux toilettes. Elle est allée aux toilettes. Et quand elle est revenue des toilettes, elle est passée devant le frigo. Elle dit, ah, elle veut boire un verre d'eau. Elle a ouvert le frigo. Quand elle a ouvert le frigo là, c'est un grand frigo. Quand le monsieur était riche, le gros frigo à les deux volets sur là. Donc, l'autre partie là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des membres d'hommes, des pieds d'hommes, des choses ici ou cela. Elle a pris peur. Or, quand elle partait, l'homme s'est réveillé. L'homme la surveillait. Elle était comme pétrifiée devant le frigo. L'homme a élevé sa voix. Il dit, mais c'est ça, non? Tu voulais un mari comme ça? Il a eu. Il dit, regarde ici, là. Nous, dans notre groupe, là, on fait ça. Donc ça veut dire que tu es le futur sacrifice, c'est toi.